the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us pray. Prions. Father, again, we thank you. We receive from you grace. We receive from you unction. We receive from you ability. We receive from you open heavens. Lord, let this whole house explode into glorifying your name on account of the great work you're doing and will do tonight. Thank you, mighty Father. We return to you all the glory. We return to you all the praise. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. And everyone said amen. Tout le monde dit amen. 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 We want to look at an exhortation I titled Rock of Ages. Je veux que nous regardions une exhortation que j'ai appelée le roc des âges. Amen. The rock of ages. La pierre des âges. Our God is a rock. Notre Seigneur, notre Dieu est un roc, est un rocher. Amen. Our God is a rock. Notre Dieu est un rocher. And he is the ageless rock. Et il est un rocher qui ne vieillit pas. Blessed be the name of the Lord. Let's look at a few scriptures. Let's turn to Titus chapter 1. Allons regarder dans Titus chapitre 1. I just want to read that place. Je veux le lire. Glory to God. Titus chapter 1. Titus chapitre 1. I'm going to read it from verse 1. Amen. All right. Chapter 2 from verse 11, rather. On va aller titre chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, verset 11, plutôt. We had a great song from there tonight. And I want us to all read it together. Je veux que nous puissions le lire tous ensemble. Amen. Amen. Shall we read together from verse 11? One, go. On lit tous ensemble. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people zealous of good works. And we say amen. Please, let's read it in the French together that way as well. Ensemble, nous lisons pour les francophones ensemble. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Wait. They are not reading with you. I want all the French speaking Bibles. Je veux que tous ceux qui parlent le français qui to ont read it aloud. Le lisent à haute voix. 1 et 2. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Let us now take to our subject for today, the rock of ages. Prenons maintenant notre sujet, le rocher des âges. Turn to Daniel chapter 2. Allons verse dans Daniel 34. Chapitre 2, le verset 34. Hallelujah. Daniel chapter 2.
Verse 34. Daniel chapitre 2, verset 34. I want you to just listen to me as I read it. And because of time, I'm just going to do the reading. Amen. Je vais juste faire la lecture, compte tenu du temps. Thou sawest still that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and break them to pieces. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Amen. 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 This is the dream. And we will tell the interpretation thereof before the king. And we say, Amen. The way Daniel spoke this revelation was very interesting. La manière dont Daniel a parlé de cette révélation est très intéressante. The king had had a dream. Le roi a eu un songe. And in this dream he saw a huge image. Et dans ce songe, il a vu une grande statue. Which represented all the ages. Qui représente tous les âges. That had been. Qui ont existé. And that will yet come. Et qui vont exister après. Amen. The kingdoms, les royaumes, of this world, les royaumes de la terre. Hallelujah! I love the song our sister led tonight. The kingdoms of this world have become the kingdoms of our God and of His Christ. J'aime bien cette chanson que nous avons chantée. Les royaumes de la terre sont devenus le royaume de notre Dieu. All of it was laid out, et tout cela a été montré. And the king saw this, et le roi a vu cela. And he saw that everything was working well until from the skies a stone rolled out. Et il a vu que tout marchait très bien jusqu'à ce que, à un moment donné du ciel, il y a un caillou qui est venu. And the stone began to move towards the earth. Et cette pierre a commencé à venir sur la terre. And you know, zeroed in on the image. Et donc cette pierre est venue frapper l'image. And smote the image. A frappé la statue et l'a tapé. The image broke into pieces. Et cette statue s'est cassée en plusieurs morceaux. All the materials. Tout le matériel. That constituted that image. Qui constituait donc cette image. Was reduced to rubble. Ça a été réduit en cendres. By this stone, this little stone. Par cette petite pierre. That was cut out without hands. Qui est venue sans le secours d'une main. Praise the name of the Lamb of God. And then it ground it to powder. Et donc cela a mis cela, a rendu cela en poudre. The Bible says, like the summer threshing floor. Like the summer threshing floor. The wind came and carried all the rubble away. Et donc comme le vent est venu pour ramasser toute cette poudre et l'envoyer loin and de là. There was no more place found for that image upon the earth. Et il n'y a plus eu de trace de cette statue sur la terre. Then all of a sudden something began to happen. Et soudainement quelque chose a commencé à se passer. Praise the name of the Lord. Can you stay on my right hand? I'm not having quite some liberty there. Okay. Thank you. Okay, we need to just roll it. Okay. Thank you. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. I'm freer now. Je suis libre maintenant. Je suis gaucher. Glory to God. Amen. And the stone was hit at the feet, and it was destroyed and carried away. Et donc, le caillou est venu frapper sur le pied et donc la statue est tombée, a été emportée. And then something suddenly happened. Et quelque chose va se passer. The little stone that was cut without hands. La petite pierre qui est venue sans le secours d'une main. Began to grow. Commençait à grandir.
And as the king watched, it grew. Et donc, quand le roi voyait, il était en train de grandir. It became a huge mountain. Est devenu comme une grande montagne. Not just that it was a mountain somewhere on earth, everybody is watching it. Non seulement c'était une montagne sur la terre que tout le monde regardait. But the stone filled the whole earth. Mais cette pierre a rempli toute la terre. The whole earth became a mountain. Toute la terre est devenue comme une montagne. A huge rock. Un grand rocher. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Hallelujah. And he said in verse 36. Et il dit dans le verset 36. This is the dream. Il dit voici le songe. Glory be to God. This is the dream. Voici le songe. This is the vision. Voici la vision que j'ai eue. This is divine expectation. Voici l'espérance divine. This is what God is expecting upon the earth. Voici ce que Dieu espère sur la terre. This is what the people of God are expecting upon the earth. Voici ce que le peuple de Dieu on espère du peuple de Dieu sur la terre. This is the vision we are pursuing. Voici la vision que nous poursuivons. This is why we are the way we are. Voici pourquoi nous sommes là où nous sommes. This is why we do what we do. Voici pourquoi nous faisons ce que nous faisons. A stone. Une pierre. Very little stone. Une petite pierre. That was cut without hand. Qui est venue sans qu'il y ait une main qui l'ait. Not cut by man. Ça n'a pas été. Ce n'est pas venu d'un homme. No human effort is involved. Il n'y a pas eu d'un effort humain. No human energies are involved. Il n'y a point eu d'énergie humaine. Nobody can take glory for it. Personne ne peut prendre la gloire pour cela. The stone is hewn without hands. Oui, cette pierre est venue sans le secours d'une main. It not only destroyed this image. Elle a non seulement détruit la statue. That represented all the kingdoms of this world. Oui, cette statue qui représente tous les royaumes de la terre. The kingdom that has been. Les royaumes qui ont été. That are. Qui sont maintenant. Or that shall be. Et qui vont venir après. Hallelujah. Hallelujah. This stone has the power. Cette pierre a la puissance. This stone has the ability. Cette pierre a la capacité. To cause everything to be destroyed. Tu as la capacité de détruire toutes choses. How much power would you think is contained in this little stone? Quelle est la puissance que vous pensez qui contient dans cette petite pierre? And it was immaterial what the material of the image was, whether it was silver. Quel que soit, peu importe le matériel qui était constitué dans cette statue. Or gold. Que ce soit l'argent, que ce soit l'or. Or brass. Que ce soit l'airain. Or clay. Que ce soit même la terre. Whatever the material was, quel que soit le matériel, it destroyed it completely. Il a totalement détruit cela. Hallelujah. Something comes to my mind. Quelque chose vient dans mon esprit. This stone kind of thinks, ce type de pierre, that there was no use for any other kind of material around the earth. Cette pierre pour laquelle il n'y a aucun autre matériel qu'on peut utiliser sur la terre. The stone feels. La pierre l'a senti. That only himself or itself, let me use that for now. La pierre a senti que seulement cette pierre should fill the earth. Pouvait remplir la terre. And that there should be nothing else. Et il n'aura plus rien d'autre. The stone after destroying this image. Après que la pierre ait détruit cette statue. After destroying the material. Après avoir détruit tout le matériel. Began to grow. Commençait à grandir. Began to increase. Commençait à grandir. Began to fill the entire earth. Elle a commencé à remplir toute la terre. It first of all became a huge mountain. D'abord, elle est devenue une grande montagne. And the Bible said it filled all the earth. Et la Bible dit qu'elle a rempli toute la terre. Amen. 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 Verse 35 says. That there was no place found for any other thing, and that the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Et la Bible dit dans le verset 35 qu'il n'y a plus autre chose qui a été trouvée, mais la pierre a commencé à devenir une grande montagne qui a rempli toute la terre. If they were looking at the earth, si on regardait la terre, all you could see was the stone. Tout ce qu'on pouvait voir, c'était la pierre. Nothing else. Rien d'autre. No silver. Pas no gold. Pas d'argent, pas d'or. No brass. Pas de rien. Nothing else. Rien d'autre. Only this stone. Seulement cette pierre. Fill the entire qui a rempli toute la terre. Amen. Amen. This was what Daniel saw. C'est ce que Daniel a vu. And he concluded. Et il a conclu. That this
is the dream. Et il dit voici, c'est le songe que j'ai fait. He didn't say this was the dream. Il n'a pas dit voici. Remember that he was telling a dream the king had before. Rappelez-vous qu'il était en train de donner un songe que le roi avait eu au préalable. And the Bible is not careless with language. Et la Bible ne fait rien au hasard dans le langage. Is the dream. Il dit voici, c'est le songe. Blessed be the name of the Lamb of God. Amen. Now let us just proceed. I want us to read another scripture. Go to Isaiah chapter 20. First of all, chapter 2. Allons dans Isaïe chapitre 2. Now you listen attentively as I read and read, you know, it from your Bible. How be it quietly. The word that Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem. And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house, now it is defined what mountain this little rock grew into. Maintenant, on définit la montagne dont il est question que la pierre avait constituée. Daniel saw a rock. Daniel a vu un rocher hewn without hands, qui est venu sans le secours d'une main, destroyed all things, qui a détruit toutes choses, and then began to grow into a huge mountain, et qui a commencé à grandir jusqu'à une the mountain montagne. Filled the earth, et la montagne a rempli toute la Isaiah terre. Says Esaïe dit that it shall come to pass in the last days, Esaïe dit que dans les derniers temps, that the mountain of the Lord's house, que la montagne de la maison de l'Éternel, blessed be the name of the Lord. Revelation speak about a city that will come down from heaven. L'Apocalypse parle d'une cité qui va venir du ciel. You are not expecting that a city the size of New York, or we are in Canada, a city the size of Toronto, will, you know, suddenly descend out of the skies. Vous n'espérez pas qu'une ville comme la ville de Toronto vienne comme ça du ciel. The city is God's house. La cité, c'est la maison de Dieu. The company of them that are born from above. C'est le groupe de ceux qui sont nés du ciel. This is the dream. Voici le songe. Blessed be the name of the Lord. A people coming from heaven. Un peuple qui vient du ciel. A people that are dwelling in the heavenly realms, even though on earth at this time. Un peuple qui habite dans le ciel, même s'ils sont pour l'instant sur la terre. At the time of their manifestation, et le temps de leur manifestation, will be revealed upon the earth. Sera révélé sur la terre. The mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains. La montagne, la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. And shall be exalted above the hills. Elle va s'élever au-dessus des collines. And all nations shall flow into it. Et toutes les nations y afflueront. And many people shall go and say, come ye, and let us go up to the mountain of the Lord. To the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways. The grace of God that appeared to all men. Amen. La grâce de Dieu qui a apparu à tous les hommes. The grace of God that brings salvation is revealed. La grâce de Dieu qui apporte le salut est révélée. And teaches us. Et nous enseigne. To deny ungodliness. De renoncer à l'impiété. And worldly lusts. Et de renoncer aux convoitises mondaines. Amen. A people will go and say. Un peuple ira et dira. Amen. Come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. Amen. He shall judge among the nations, and shall rebuke many people, and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Amen. All the warmongering nations should take note. Amen. Toutes les nations qui aiment faire la guerre
Vous comprenez? There's a people coming upon the earth. Il y a un peuple qui vient sur la terre. A people not known in the world. Un peuple qui n'est pas connu du monde. They are coming from the heavens. Ils viennent du ciel. These are not aliens. They are not aliens. Ce ne sont pas des extraterrestres. Amen. They are the mountain of the Lord's house. Ils sont la montagne de la maison de l'Éternel. Which house you are? Cette maison que vous êtes. Shout amen. Crie amen. Turn to Isaiah chapter 28. Allons voir dans Ésaïe chapitre 28. Amen. I want us to know this tonight. Je veux que nous le sachions cette nuit. That when the stone came out from the skies, que quand la pierre est venue du ciel, it was as it were insignificant. Elle est venue de façon insignifiante. The Bible called it a stone. La Bible l'appelle une pierre. Because of its size. À cause de la taille. But they may have underestimated it. Les gens ont dû ont dû ne pas l'estimer. Because it was just one little stone. Ils l'ont négligé parce que c'était une petite pierre. But when the stone leveled everything. Mais quand la pierre a fait tomber toute chose. Reduced all the ages to nothing, to rubbles. Quand la pierre a réduit tous les âges à rien du tout. Reduced all systems to rubble. A réduit tous les systèmes. Reduced all governments to rubbles. A réduit tous les gouvernements à rien. Reduced all social systems to rubbles. A réduit tous les systèmes sociaux à rien. And made them unpopular, carried them away. Et a fait qu'ils sont devenus impopulaires, il les a fait partir. It began to grow. La pierre a commencé à grandir. It was no more a little stone. Ce n'était plus une petite pierre. It grew into a huge mountain. Elle a grandi jusqu'à une grande montagne. Not just one mountain located in one nation. Non seulement une montagne localisée dans une nation. It filled the whole earth. Elle a rempli toute la terre. Amen. Amen. The entire earth became this mountain. La terre entière est devenue cette montagne. Isaiah tells us that this mountain is the Lord's house. Et Isaïe nous dit que cette montagne c'est la maison de l'Éternel. Oh, you may think, oh, we little we. Oui, tu vas dire oui. Moi, nous tout petits. We are small. Nous sommes petits. They don't even know us. On ne nous connaît même pas. When we tell people the house fellowship, they say which denomination? Quand on parle de l'église, ils disent mais vous êtes de quelle dénomination? Say we never heard of it. On n'a jamais entendu parler de ça. People are shocked to know. Les gens sont choqués de savoir. That we have representations all over the world. Les gens sont choqués de savoir que nous avons une représentation dans tout le monde entier. It's like, where are you guys? Il dit, mais vous êtes d'où? Where else do you have apart from Nigeria? Où vous êtes à part le Nigeria? Vous êtes où encore? Hallelujah! Amen. We tell them we are in Kenya too. Nous leur disons que nous sommes aussi au Kenya. We are in South Africa. Nous sommes en Afrique du Sud. We are in Congo. Nous sommes au Congo. We are in Ghana. Nous sommes au Ghana. In Sierra Leone. Nous sommes à Sierra Leone. In Liberia. Au Liberia. Oh, they say, is it an African affair? On dit, ah, c'est une affaire d'Africain. Say, oh no, sorry, we are in the United Kingdom. Oh, excusez, nous sommes aux États-Unis. We are in Germany. Nous sommes en Allemagne. We are in Czech Republic. Nous sommes en République Tchèque. Oh, is that all? On dit, ah, c'est tout? No, we are in Canada. On dit, non, on est au Canada. We are in the United States nous of America. Aux États-Unis d'Amérique. We are in Australia. Nous sommes en Australie. And they say, how come we have never heard of you guys? On dit, mais pourquoi on n'a jamais entendu parler de vous? Maybe unpopular right now. On dit, oui, mais on n'est pas populaire maintenant. And looking vrai. Very small. On semble être petit. But it's a work. Mais c'est un travail. It's a stone. C'est une pierre. Hewn by God himself. Qui est utilisé par Dieu lui-même. The rock of ages. Le rocher des is not designed by man. Il n'est pas fait par l'homme. It was not created by man. Ça n'a pas été créé par l'homme. It is not supervised by man. Il n'est pas supervisé par l'homme. It is not organized by man. Ce n'est pas organisé par l'homme. In fact, not known by man. En fait, n'est pas connu de l'homme. Hallelujah. But this stone, mais cette pierre, is set, est dit, to reduce. Cette pierre, the current satanic systems, cette pierre va réduire, to rubbles, va réduire le système to destroy satanique, them all va, together, va détruire tout, like the summer threshing floor, like the summer threshing floor, that is like the place where they beat wheat out of the trash. Oui, là où comme là où on détruit tout ce qui est les déchets. And when that has happened. Et quand cela se passe, there's a wind coming upon the earth. Il y a un vent qui vient sur la terre.
A storm is an understatement to describe this wind. Même là, le tonnerre est difficile à décrire. We have seen Katrina. On a vu Katrina. We have seen all the winds and tornadoes. On a vu toutes les tornades. All of them combined together. Tout réuni ensemble. And all that has happened since the earth began, et put together. Tout ce qui s'est passé depuis que la terre a commencé. Will be nothing like the wind that is coming upon the earth. N'aura pas de comparable à ce vent qui va venir sur la terre. Because it is going to uproot all the social system. Parce que ce vent va détruire tout ce qui est système social. All the political system. Tout système politique. All the different kinds of governments upon the earth. Toutes sortes de gouvernements sur la terre. And take them out. Et va les faire sortir. And then grow over the earth. Et donc va grandir sur la and terre. And become a huge mountain. Et va devenir une grande montagne. That will fill all of the earth. Qui va remplir toute la terre. Blessed be the name of the Lamb of God. Hallelujah. Isn't it exciting? Ce n'est pas excitant? This is the dream. Voici le songe. Hallelujah. Daniel could have told Nebuchadnezzar that was the dream you had. Daniel aurait pu dire à Nebuchadnezzar que c'est le songe que tu as eu. No, he said this is the dream. Mais il a dit non, c'est le songe. To which we are all gathered today. Oui, nous sommes tous réunis ce jour. Blessed be the name of the Lamb of God. Hallelujah. Let's give Jesus a big hand, everybody. Qu'on applaudisse, qu'on acclame le Seigneur. Isaiah chapter 28 verse 16. Isaiah 28 verse therefore 16. Thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet, and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the water shall overflow the hiding places, and your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand, when the overflowing scourge shall pass through, and ye shall be trodden down by it. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord our God. From the time that it goeth forth, it shall take you. From morning, by morning shall it pass over, by day and by night, and it shall be a vexation only to understand the report. Amen. The bed will be shorter than a man can stretch himself on it, and the covering narrower than he can wrap himself with. For the Lord shall rise up as in Mount Perazim. Listen very attentively. Amen. He shall be angry as in the valley of Gibeon, that he may do his works, his strange works, and bring to pass his acts, his strange acts. Now therefore, be ye not mockers, lest your bands be made strong. For I have heard from the Lord God of battles, a consumption even determined upon the whole earth. Amen. Give ear and hear my voice. Hearken and hear my speech. Doth the plowman plow all day to sow? Do you think we are doing all this work we are doing in vain? Traveling all the way from Nigeria. Vous pensez qu'on fait year after year to come here. Année is après it année, vain? Venu the plowman Nigeria, does not plow in vain. Ce n'est pas en vain. Le laboureur ne travaille pas en vain. Blessed be the name of the Lamb of God. Yeah. Hallelujah. Doth he open the ground, break the cords of his ground, when he had made plain the face thereof? Doth he not cast abroad the fishes, and scatter the cumin, and cast in the principal wheat, and the appointed barley, and the rye in their place? For his God doth instruct him to discretion, and doth teach him. For the fishes are not threshed with a threshing instrument, neither a cartwheel turned about upon the cumin. But the fishes are beaten out with a staff, and the cumin with a rod. Bread corn is bruised,
because he will not ever be threshing it, nor break it with the wheel of his cart, nor bruise it with the horseman. This also cometh forth from the Lord of battles, which is wonderful in counsel and excellent in walking. Blessed be the name of the Lord. You see, the Lord is saying, I lay in Zion a stone. Il dit, oui, je mets en Zion, en Sion, une pierre. A corner, precious cornerstone. Une pierre qui est très précieuse. For a foundation. Pour établir une fondation. He that believeth will not make haste. Celui qui croit ne sera pas dans les soucis. Blessed be the name of the Lord. Amen. God is setting up a kingdom. Dieu établit un royaume. He is setting up a government. Il met en place un gouvernement. The church is that government. L'église est ce gouvernement. Upon the earth. Sur la terre. Amen. It is not just the whole church. Ce n'est pas seulement l'église. It's not just everybody that goes to an assembly. Ce n'est pas tous ceux qui vont seulement dans une assemblée. He's calling out a body of people. Il est en train d'appeler un peuple. A people that are being set apart for himself. Un peuple qui a été mis à part pour lui. Pour lui. A people that are not mixing their calling with the methods of this world. Un peuple qui n'est pas en train de mettre. Sont pas en train de se mélanger aux méthodes de ce monde. A people that will depend on the heavenly calling alone and the hand of God to turn them into what God wants. Un peuple qui va dépendre seulement de l'appel de Dieu et la main du Seigneur pour le conduire. There is a people that is submitting to God at this time. Il y a un peuple qui se soumet à Dieu en ces temps-ci. Yes, they are Christians. Oui, ils sont chrétiens. Yes, they believe in the Lord God. Oui, ils croient dans le Seigneur Dieu. But they are yielding themselves again afresh. Mais ils s'abandonnent à nouveau à Dieu. They are turning away from human methods. Ils se détournent des méthodes humaines. They are turning away from the ideas of man. Ils se détournent des idées des hommes. They are looking beyond the impossibilities set by man. Ils regardent au-delà de toutes les impossibilités qui ont été mises par les hommes. To these ones, nothing is impossible. À ceux-là, rien n'est impossible. To these ones, there's nothing too high to surmount. À ceux-là, il n'y a rien qui soit aussi il n'y a rien qui soit insurmontable. To these ones, they look away from their own strength. Ceux-là, ils se détournent de leur propre force. They do not look at the kind of implements they have amassed. Ils ne regardent pas tout ce qu'ils ont pu obtenir comme force. In fact, they are not amassing anything. En fait, ils n'amassent rien. They are looking unto Jesus alone. Ils ne regardent qu'à Jésus seul. The author and the finisher of their faith. L'auteur et l'accomplisseur de notre foi. They are depending absolutely on him alone. Ils dépendent seulement de Jésus de façon absolue. If he will not do it, let it not be done. Si le Seigneur ne le fait pas, que cela ne soit pas fait. If he is not going with me, I am not going anywhere. Si le Seigneur ne va pas avec moi, je n'irai pas. Moses said, if God will not go with us, we are not going anywhere. Moïse a dit que si Dieu ne va pas avec nous, This company of people have no confidence in themselves. Ces millions de personnes n'ont pas foi en eux-mêmes. Earthly achievements means nothing to them. Tout ce qui est du domaine de la chair n'a rien de valeur pour eux. A stone hewn without hands. C'est une pierre qui est venue sans le secours d'une main. That body of people is on earth today. Ce peuple-là est sur la terre aujourd'hui. God is getting ready to turn them loose. Oui, Dieu est en train de s'apprêter à les utiliser. This is why we cannot afford to play church anymore. C'est pour cela que nous ne devons pas jouer la religion. We cannot afford to be lazy and clumsy anymore. On ne doit pas se permettre d'être paresseux. We cannot afford to be careless anymore. On ne doit pas se permettre d'être négligent. We cannot afford to adopt a flimsy version of grace message. On ne doit plus se permettre de parler des messages de grâce. That tells you to go ahead and do what you like, God will forgive you. On ne doit pas se dire qu'il faut aller faire tout ce que tu veux, que Dieu va te pardonner. Amen. Just as a side attraction, there are only two sacrifices for sin in the Bible. Dans la Bible, il n'y a que deux types de sacrifices pour le péché. If you go outside of those two areas, there remaineth no more sacrifice for sin. Si tu vas en dehors de ces deux types de sacrifices, il n'y a plus the de sin offering. L'offrande de and the trespass offering. L'offrande du péché et l'offrande de le front du péché. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Le sacrifice du péché. Hallelujah. Amen.
These are the only two sins provided for in scriptures. C'est deux offrandes qui sont prévues par l'écriture. The sin offering deals with sin as a nature. L'offrande du péché vient pour régler le problème du péché par rapport à la nature du péché. The trespass offering deals with sins of ignorance. L'autre type de d'offrande qui est pour aussi le péché fait tout ce qui est dans l'ignorance. If you go outside of these two, si tu vas en dehors de ces deux, Paul says there remained therefore no sacrifice for sin. There is no third one. Paul dit qu'il n'y a pas un autre type de sacrifice. Il y a That's pas de why he said grace, the grace of God that brings salvation. La grâce de Dieu qui envoie le salut. There is a grace that does not bring salvation. Il y a une grâce qui n'envoie pas le salut. You better run away from such a grace. Oui, il faut te détourner de cette grâce. It is grace, all right, but it is not the grace of God. Oui, c'est vrai que c'est une grâce, mais c'est pas la grâce de Dieu. Blessed be the name of the Lord. Grace that is not going to lose you absolutely from sin is not the grace of God. Une grâce qui ne va pas te débarrasser du péché, ce n'est pas la grâce de Dieu. Grace that does not tell you go and sin no more is not the grace of God. Une grâce qui ne va pas te dire non, ne va plus pécher, ce n'est pas la grâce de Dieu. Blessed be the name of the Lord. So you find people trooping after grace that tells them that they have a second chance. Oui, il y a un peuple qui dit oui, il y a une grâce, donc va, tu as encore la chance. Non. And the people who teach such things expect more than two chances. Et donc, ceux qui prêchent ce type de message, ils espèrent qu'il y a plus de deux chances. What they are really saying is that God is a God of continued chances. Donc, ils se disent que Dieu est un Dieu de chances continuelles. So you can sin all you want. Tu peux faire le péché comme tu veux. But there is a people upon the earth. Mais il y a un peuple sur la terre. They are not being shaped by the ideas of man. Ils n'ont pas été faits avec l'idée des hommes. They are not being shaped by human theology. Ils n'ont pas été conçus avec la théologie humaine. They are not being shaped by the beliefs of men. Ils sont pas conçus par les pensées et la croyance des hommes. They are not being shaped by human methods. Ils ne sont pas conçus avec les méthodes humaines. It is God himself that is preparing these people. C'est Dieu lui-même qui prépare ce peuple. It is God himself that is taking you through all the dealings of life. C'est Dieu lui-même qui nous envoie passer toutes les difficultés. He guides and takes you through all the things you go through in life. Il nous envoie passer dans tous les lieux que nous rencontrons dans la vie. And he works his salvation into your soul by leading you. Il veut que le salut vienne dans notre âme en nous conduisant. There's a body of people on the earth now. Il y a un peuple sur la terre maintenant. That are beginning to say. Qui commence à dire. We trust in only what Jesus did on the cross. Que nous croyons seulement à ce que Jésus a fait sur la croix. The Lord took care of this on the cross. Le Seigneur a fait cela sur la croix. And I am going to trust in the Lord who did it for me on the cross. Et je vais croire dans le Seigneur qui a fait cela pour moi. I will rely upon him alone to do it. Oui, je vais avoir confiance en lui seul pour faire he cela. He will work out his salvation in my life. Et il fera le travail de le salut dans ma vie. He will if he will not do it. S'il ne le fait pas, let it not be done. Oui, que cela ne soit pas fait. Praise the name of the Lamb of God. Amen. You know that's very risky. Vous voyez que c'est très risqué. A terminal disease comes upon somebody and he says, if God will not heal me, let me better die. Et une maladie en phase terminale vient sur quelqu'un qui dit, si Dieu ne me guérit pas, alors que je meurs. But we are having upon the earth a body of people that are ready to take this risk. Et nous sommes donc, nous voyons sur la terre un peuple qui est capable de prendre ce risque. A people jeopardizing their lives for the cause of God. Un peuple qui a abandonné toute sa vie pour la cause de Dieu. Blessed be the name of the Lamb of God. This is the dream. Voici le songe. A people who will trust in him alone. Un peuple qui va croire, qui va avoir confiance en Dieu seulement. Hallelujah. So God is preparing that body of people today. Il prépare donc ce peuple-là aujourd'hui. God is making that body of people ready. Dieu est en train de rendre ce peuple-là prêt. Amen. But now let's take a look at something very briefly. Regardons quelque chose de façon brève. The Bible calls this the mountain of the Lord's house. La Bible l'appelle la montagne de la maison de l'Éternel. In Isaiah chapter 2 from verse 1 to 4 that we read earlier. Isaiah chapter 2. The mountain of the Lord's house shall be exalted above all mountains, established in the tops of all the mountains, and exalted above the hills, and all nations will conform. Hallelujah. Et toutes les nations vont venir vers elle.
Nations can be boasting themselves against God today. Oui, les nations peuvent aujourd'hui aller contre Dieu. Some nations are officially legislating God out of their systems. Il y a donc des nations aujourd'hui qui, de façon officielle, ont enlevé Dieu dans leur système. There is a stone that is being hewn without hands. Il y a une pierre qui est faite qui vient sous sans le secours d'une main. And God is about revealing them from the heavens. Donc Dieu va les révéler à partir du ciel. When they come on the scene, quand ils viendront, all nations will conform. Toutes les nations vont se conformer. People will tear their constitution to pieces with their hands. Oui, il y a des peuples qui vont déchirer leur constitution. Governments will be thrown out. Oui, les gouvernements vont être chassés. New constitutions will be written. De nouvelles constitutions seront écrites. Because these people are on the scene. Parce que ce peuple là est en scène. Blessed be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Glory be to God. You know, when you hear of a government that is ready for action, people are afraid. Quand vous voyez qu'il y a un gouvernement qui est prêt pour faire des actions, les gens sont apeurés. Without doing anything, sans avoir même fait quoi que ce people soit, people will begin to conform. Ils commencent à se conformer. About 3 years ago in Nigeria, 3 années en arrière au Nigeria, we had a change of government. On a eu un changement de gouvernement. And something very interesting happened. Quelque chose d'intéressant s'est passé. When they heard that this particular former general was coming to be the, is now the president. Quand ils ont vu que c'était un général par le passé qui devient maintenant président. People were afraid. Les gens avaient peur. Contractors that abandoned or, you know, left their projects, collected money and ran away, started going back to site. Oui, les contractuels qui avaient abandonner le projet après avoir pris l'argent, on commence à revenir. They said, I don't want trouble because this man coming is very, very hard. He will deal with everybody, so I don't want trouble. These contractors were abandoned projects suddenly were becoming active. Les contractuels qui avaient abandonné le projet sont commencés à revenir. The man has not even been sworn in yet. Il n'avait même pas encore prêté serment. Do you understand what I'm saying? Because they feared. Parce que les gens. What he might do. Do you understand that? They were afraid of what he might do. Ils avaient peur de ce qu'il allait faire. But when after 6 months, the man was not doing anything. Après 6 mois, quand ils ont vu que le monsieur ne faisait rien. They all left the site. Donc ils se sont tous retenus. They never went back till today. Et ils sont plus revenus jusqu'à présent. Because that fellow wasn't doing going to help anybody. Parce que ce monsieur là, il va pas nous aider. Now listen attentively. I use that to draw on this. Oui, écoutez, j'ai pris ça comme une illustration. When you have been revealed from the heavens by the Lord God himself. Quand tu as été révélé par Dieu lui-même. Nations that will hear, you don't even need to do anything. All they will need to hear is that those guys are in charge now. They will conform. Nations shall flow in. Les nations vont venir dans les rangs. Blessed be the name of the Lamb of God. Amen. The mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains. And shall be exalted above the hills. All nations will flow into it. Amen. Amen. The Hebrew says, all rebellious nations will conform. L'hébreu dit en fait, en hébreu, que toutes les nations rebelles vont se conformer. Some people think they are going to say, no, I'm not agreeing to what they are saying. Who are these Christians to come and tell us something? You wait. When the Lord has established the church in the top of the mountains. Oui, quand Dieu établit l'église au-dessus de la montagne. When their occultic powers and lodges suddenly discover their powers are impotent. Quand les puissances d'occultisme voient que leur puissance a été enfermée. They don't need you to come and make a law and sound one siren and to say, okay, now we are ready. No. All they need to do is to hear it. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de savoir que. When they hear, they will run into their covens. Quand ils vont entendre cela, ils vont. They will run into their lodges. Ils vont retourner tous dans leurs lodges. They will run into their orders. Ils vont rentrer dans leurs ordres. And they will discover that there is no help. Et ils verront qu'il n'y a plus d'aide. They will say, excuse me, this is the finger of God. Ils vont dire, voici, ça c'est le doigt de Dieu. Blessed be the name of the Lamb of God. Moses in the land of Egypt. Oui, Moïse en Égypte. Came to Pharaoh. Est venu voir Pharaon. That's a stone hewn without hands. Ça, c'est une pierre
qui est venu sans le secours du nom de Il a dit à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, laisse mon peuple partir. We need to go and worship him in the wilderness. On doit aller l'adorer dans le désert. At the mountain of the Lord. À la montagne de l'Éternel. And Pharaoh said, who is this God? Et Pharaon dit, qui est ce Dieu? I wish he said, who are you, Moses, to tell me what to do? That would have been safer, you know. J'espérais qu'il allait dire, mais who is this qui est-vous? Mais il dit plutôt, qui est ce Dieu? Know your God. Je ne connais pas votre Dieu. Neither will I let the people go. Donc, je ne vais pas vous laisser partir. That was first level. Premier niveau. Moses said, all right. And he went away. Et Moïse a dit, ok, il est parti. And then he came back. Il est revenu. Let my people, thus saith the Lord, let my people go. Il dit, ainsi parle l'Éternel, laisse mon peuple partir. Moses, Pharaoh said, I don't know your God. Pharaon dit, je connais pas ton Dieu. And so I'm not letting the people go. Et donc, je ne laisse pas le peuple partir. Follow me closely. Suivez bien. Moses said, Aaron, he threw his rod down. Il a dit à Aaron, Aaron a mis son bâton. Turned into a snake. Qui est devenu un serpent. And the people ran. Et les gens ont fui. Pharaoh said, ha, ha, ha. Pharaon dit, Janis. Il dit, Janis. Jambres. Jambres. Cheap magician's trick. Oui, il a envoyé des actions magiques. Amen. And they all came with their rods after consulting with their lodges. Et les magiciens sont venus avec leur poids, leur bâton. Demoniacal backings. Après avoir consulté leur They threw their rods down. Ils ont aussi mis leur They became snakes. Ils ont mis leurs bâtons qui sont devenus des serpents. Then the rod of Aaron stood up. Et donc le swallowed up the other two rods. Le serpent d'Aaron s'est tenu debout et a avalé les deux serpents. The people said, well, no problem. Les gens ont dit, bon, ok, pas de problème. They went and replaced their rods. Et ils sont allés changer leur bâton. But it was no longer potent. Mais ce n'était plus efficace. Moses left. Moïse a quitté. Came back the third day. Il est venu le troisième jour. Thus saith the Lord God of Israel. Ainsi parle l'Éternel. Let my people go. Laisse mon peuple partir. Moses, Pharaoh said, I am not letting you go. Pharaon dit, je ne vous laisse pas partir. He said, in fact, you are lazy. That's why you are coming to, you are organized, you're trying to organize labor union. Il dit, Moïse, c'est parce que tu es, paresseux. Tu veux envoyer le peuple pour s'organiser. So that your people will not work. Avec qu'ils ne travaillent pas. He said, go and up their stakes. Il dit, allez-y, augmentez leur, travaux. Their bricks, increase them. Oui, augmente leurs travaux, leurs activités. Make the burden heavy for them. Fait que le poids du travail soit fort. And I will see what time they will have to be coming to ask for to go and worship their God. Et je verrai comment ils vont venir pour me dire qu'ils veulent Moses aller said, adorer is that Dieu. What you said? Said yes. Say all right. From now on, no more drinking water in this land. Et Moïse dit, à partir de maintenant, donc il n'aura pas d'eau à boire dans cette maison. All their water to blood. Il a changé toute l'eau en sang. Janis and Jabris went back to their courts. Il a appelé Janis et Jabri qui sont allés encore consulter. They tapped some low magical powers. Ils ont fait des activités magiques. They put water in a cup. Ils ont mis l'eau dans un turned it to blood. Ils ont mis l'eau dans un récipient qui est devenu Moses du sang. Moses said, no problem. Say you have turned water in your cup to blood. Go home and drink water. Moïse dit, allez, va boire. River Nile became a sea of blood. Et le Nil est devenu une rivière de sang. Drinking water in their refrigerators turned to blood. Tout ce qui était dans leur réfrigérateur s'y en avait devenu All du sang. All their wells became blood. Tous leurs puits sont devenus du sang. They dug new wells beside River Nile. They became blood. Tout ce qu'ils ont mis comme puits, ils ont puisé tous les puits qu'ils ont fait à côté de la rivière. It was clear who was now in charge. Amen. Amen. They cried to Pharaoh. Ils ont crié à Pharaon. And Pharaoh called for Moses. Et Pharaon a appelé Moïse. Say, okay, we can negotiate. Il dit, bon, on va négocier. Moses said there is no negotiation. Moïse dit, y a pas de négociation. Let my people go. Il dit, laisse mon peuple partir. He said, take some of your people and go, then let the rest wait behind. Il dit, bon, prends quelques-uns d'entre vous partir. Moses said, no deal. Moïse dit, non, pas. Everybody. Tout le monde doit partir. All our horses. Tous nos chevaux. Even, nos chevaux. Even their shoes. Même nos chaussures. Will go with us. Iront avec nous. Amen.
Pharaoh said, okay, if that's what you want, then no deal. We are going to, let's fight. Dans Pharaon dit non, pas de deal en ce moment, donc on ne fait rien. Amen. Battons-nous. Moses went outside, picked a, you know, a handful of sand and threw it into the air. Moïse a pris du sable et il l'a jeté dans l'air. Everybody had boils. Ils ont tous eu des plaies. Including the magicians. Et même incluant les magiciens. They could not cure it. Ils pouvaient pas se guérir. They ran to their secret places, their lodges. Ils sont allés dans leurs loges. They ran to their shrines. Ils sont allés dans leurs loges. They made sacrifices, perhaps. Ils ont certainement fait des sacrifices. Their gods were locked up. Et leur Dieu était inefficace. There was no more power to respond. Pas de pouvoir pour répondre. They came to Pharaoh. Ils sont venus voir Pharaon. Said, let these people go. Laisse les personnes partir. This is the finger of God. Il dit que ça, c'est le doigt de Dieu. We have no solution to what is happening. On n'a pas de solution pour ce qui se passe. Blessed be the name of the Lamb of God. Béni soit le nom du Seigneur. That is what is happening. Qu'est-ce qui se passe? The little stone hewn without hands. Oui, cette petite pierre. Will crush everything. Va venir écraser toute chose. That man has to offer. Tout ce que l'homme peut offrir. Blessed be the name of the Lamb of God. Béni soit le nom du Seigneur. Ooh, glory to God. Amen. You said they would throw a nuclear bomb. Ils disent vont envoyer une bombe nucléaire. It's not if the buttons work that the bombs will go off. C'est pas quand le bouton va marcher que la bombe va partir. Supposing you press it and there is no signal. Bon, si on appuie le bouton que il y a pas de signalisation. Blessed be the name of the Lord. God will bring the earth to their knees. Dieu va mettre que les gens vont se mettre à genoux. By this company of people. Par ce peuple. That is called the mountain of the Lord's house. Ce peuple qui est appelé la montagne, la maison de l'Éternel. Blessed be God forever. Béni soit Dieu pour Hallelujah. Amen. The mountain referred to that this rock turned into is the church of the living God. Oui, cette montagne est l'église du Dieu vivant. Not just the church of the living God, but the church that is within the church. Pas seulement l'église du Dieu vivant, mais l'église qui est dans à l'intérieur de l'église. There is the general church. Il y a une église générale. There is the church within the church. Il y a l'église dans l'église. There is the general church that believes in doing anything. Il y a une église générale qui croit qu'il faut faire toutes choses. Just go to church and practice some tradition. Va seulement à l'église pour faire la tradition. But there is a church that is standing up to say no. Il y a une église qui dit non. If it cannot be demonstrated from the word of God, I will not follow. Il dit, si ce n'est pas démontré par la parole de Dieu, je ne vais pas Only suivre. Only the word of God and nothing else. Seulement la parole de Dieu et rien d'autre. Blessed be the name of the Lamb of God. Hallelujah. Hallelujah. The Bible refers to this mountain of God's house as Mount Zion. La Bible appelle cette montagne le Mont Sion. Amen. This Mount Zion is the house of the Lord. Ce Mont Sion, c'est la maison de l'Éternel. It's also called the city of our God. Et aussi appelé la cité de notre Dieu. Turn to Psalm 48. Psalm 148. And I want you to listen attentively to this. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Thank you, Jesus. Verse 1. Psalm 48. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion. On the sides of the north, the city of the great king. God is known in her palaces for a refuge. For lo, the kings were assembled. They passed by together. Amen. They saw it, and so they marveled. They were troubled and ran away quickly. Amen. Amen. Verse 6. Fear took hold upon them there, and pain as of a woman in travail. Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind. As we have heard, so we have seen in the city of the Lord of hosts. In the city of our God,
God will establish her forever. We have thought of thy loving kindness, O God, in the midst of thy temple. According to thy name, O God, so is thy praise unto the ends of the earth. Thy right hand is full of righteousness. Let Mount Zion rejoice. Let the daughters of Judah be glad. Because of thy judgments, walk about Zion and go round about her. Tell the towers thereof. Mark ye well her bulwarks. Consider her palaces, that ye may tell it to the generation following. For this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death. And we all say, amen. This is this little stone that is hewn without hands. C'est cette petite pierre qui a utilisé sans le secours d'une main. This city is descending from God. Cette cité vient de Dieu. Out of heaven. Venant du ciel. Revelations 21. Apocalypse chapitre 21. This city is coming from God. Cette cité vient du ciel. Beloved brethren, we must begin to understand our estate. Frère, nous devons comprendre, nous devons commencer à comprendre notre We must fortune. Begin to know who we are. Nous devons comprendre qui nous sommes. We must begin to know the calling that God has given us. Nous devons comprendre maintenant l'appel que Dieu nous a fait. We are called to something very high. Nous sommes appelés à quelque chose de grand. We must begin to understand it. Nous devons commencer à le comprendre. Great is the Lord and greatly to be praised. Grand est l'Éternel et grand, nous devons grandement le louer. In the city of our God, the mountain of his holiness. Dans la cité de notre Dieu, la montagne de sa joie. Blessed be the name of the Lord. Amen. There is a body of people at this time. Il y a un peuple à ce moment. That are beginning to insist that they will go into the holy of holies. Il y a un peuple en ce moment qui insiste pour aller dans le lieu saint des saints. The mountain of his holiness is the holy of holies. La montagne de sa sainteté, en fait, c'est le lieu saint des saints. There's a people that want to dwell in those that innermost court of our God. Il y a ce peuple-là qui veut habiter dans cette cour de l'Éternel. A people that are no longer satisfied with the outer court. Un peuple qui n'est plus satisfait du parvis. A people that are no longer satisfied with the holy place. Qui n'est plus satisfait du lieu saint. A people that are insisting on the holy of holies. Un peuple qui insiste pour aller dans le lieu saint des saints. They are not going to settle down for anything less. Ils ne vont pas prendre ce qui est inférieur. They will go to the very height of the highest. Ils veulent aller dans le haut des hauts. Amen. Amen. He said that's the mountain of his holiness. Beautiful for situation. Verse 2. This city is beautiful by reason of its elevation. Amen. Mount Zion is described. Le mont Sion est décrit ici. Praise the name of the Lord. Amen. Yeah, wake up. Yeah, le mont Sion est décrit ici. Hallelujah. Now, this city, cette ville, is beautiful. Est belle because of its elevation. Parce qu'elle est élevée. In the natural, Mount Zion was a range of mountains. Dans le naturel, en fait, le mont Sion c'est une rangée de plusieurs montagnes. A range of hills. Une rangée de plusieurs collines. But the highest of them. Mais le plus grand de cette colline de was where David went to pitch the tent of God. C'est là-bas que David est allé mettre la tente de Dieu. He established the city of David on top of that highest range. Il a mis la cité de David au-dessus de toutes ces montagnes. Blessed be the name of the Lord. For those of you that travel to Israel, Mount Moriah is a series of mountains. Ceux qui vont en Israël, not one, not two, several of them. Le Mont Moriah est plusieurs montagnes. But the highest, mais le plus grand, that was at the peak, qui est au-dessus de tout. When you are anywhere in Israel, just look up, you will see that mountain exalted. Quand vous êtes partout en Israël, regardez, vous allez voir cette montagne élevée. David went and built a tent for God on top of that.
David allait mettre une tente au-dessus de cette montagne. He first of all drove out the Jebusites who were using it as a fortress. Il a d'abord chassé tous les Jébusiens qui étaient là, qui l'utilisaient comme une forteresse. And he cast them out of the place. Il a tout chassé de la place. And he took it over. Et il a pris le pouvoir. And it became his habitation. Et c'est devenu son habitation. From there he dispensed justice. C'est de là qu'il envoyait la justice. And the law of God. Et la loi de Dieu. Over the land of Israel. Sur toute la terre d'Israël. When he says beautiful for situation. Quand il dit belle pour les situations. He's saying that Mount Zion is beautiful by reason of the height of elevation. Il dit que le mont Sinaï est le mont Sion est beau de par le fait qu'il est élevé. Today the church is not attractive to the world. You know why? Vous savez. The church is not attracted to the world does not attract the world. You know why? Aujourd'hui, vous savez pourquoi l'église n'attire pas le monde? Because they look at the church and there's a lot of flaws. Parce que l'église, le monde n'est pas intéressé par l'église parce que quand ils regardent dans l'église, they see a lot of problems. Il y a beaucoup de problèmes dans l'église. And they look at it. Et ils regardent. They don't see the height. Ils ne voient pas la grandeur. Even the occultic powers. Même les pouvoirs occultes are taking over some of the churches. Ont commencé à prendre la possession de certaines églises. I know of some churches. Je connais certaines églises. Where their top reverends and the men of God are members of lodges, occultic lodges. Où les membres de l'église, les fondateurs ou bien les gens qui sont à la tête sont membres des loges. And orders of this world. Et ils sont dans les ordres de ce occultic monde. Occultic orders. Dans les ordres occultes. They are members. Ils sont des membres. And they come to teach. Et après cela, ils viennent prêcher. The Bible. Ils viennent prêcher la Bible. There are churches right now. Il y a des églises maintenant. That don't believe in the Bible anymore. Ils ne croient même plus en la Bible. The leader of one of the big denominations said. Un grand leader d'une grande dénomination dit. That he does not believe in God. Qu'il ne croit pas en Dieu. And he's reverend somebody. Et il s'appelle révérend quelqu'un. He does not believe in God. Il ne croit pas en Dieu. Blessed be the name of the Lord. Another one said that Jesus is not coming back. Un autre a dit que Jésus ne reviendra pas. That he has gone to somewhere in the universe. He's doing some good works there. Qu'il allait loin dans l'univers, il est en train de faire des bonnes choses. And he has forgotten us on earth. We should not bother ourselves. He's not coming back here soon. Il nous a tous oubliés, il ne viendra pas bientôt. Men should go after their normal things. Oui, que les hommes doivent vaquer à leurs occupations. Reverend founders of churches. Des révérends des églises. They carry Christian names. Ils s'appellent chrétiens. But they no longer believe in the God of the Bible. Ils ne croient plus dans le Dieu de la Bible. But Mount Zion. Mais Mount Sion. Is beautiful because of its spiritual elevation. Et Mount Sion est beau parce que il a une élévation spirituelle. When you look at this body of people. Quand tu regardes ce peuple. They are clean. Ils sont purs. They are wearing white. Ils sont habillés en blanc. They are pure. Ils sont purs. They do not yield to occultism. Ils ne s'abandonnent pas à l'occultisme. They are not following and trooping after the magicians of today. Ils ne suivent pas les magiciens d'aujourd'hui. Many churches are subscribing to magic. Plusieurs églises se sont inscrites à la magie. Like in Acts of Apostles, Simon Magus. Comme dans le livre des Actes des Apôtres, Simon le magicien. Do you know that's where they got the name Magnus? Vous savez où ils ont pris le nom Magnus? And it's a beautiful name people carry today. What is the name of your son? Magnus. Et c'est un nom que Dieu appelle les enfants Magnus. Don't name your child Magnus. N'appelez pas votre enfant Magnus. The word Magnus from Magus, you know, in the Greek means a magician, a sorcerer. Le terme Magnus veut dire en grec magicien. Why would you call your child a sorcerer? Pourquoi tu appelleras ton enfant magicien ou sorcier? I hope there's nobody here that is called Magnus. J'espère que personne ici ne s'appelle Magnus. Praise the name of the Lamb of God. Béni soit le nom du Seigneur. The churches are filled with magicians. Les églises sont remplies de magiciens. And they go around native doctors in coats and suits. Et donc ce sont des sorciers qui sont habillés dans des and costumes. And people are trooping after them. Qui sont habillés dans des costumes et les gens viennent après eux. Listen to me. The time is come. Le temps est venu. The time has come. Le temps est arrivé. That their nakedness will be revealed very soon. Le temps est arrivé où leur nudité sera révélée.
There's a body of young people like yourselves. Il y a des jeunes, un peuple de jeunes comme vous. God is assembling you together. Le Seigneur est en train de vous rassembler. Many of you are already beginning to understand the true text of the Bible. Et plusieurs parmi vous ont commencé à comprendre la vérité de la you Bible. You know what the word of God says. Vous savez ce que la Bible dit. Amen. Amen. Because God is opening your eyes. Parce que Dieu ouvre vos yeux. You are beginning to understand the beauty of Mount Zion. Vous commencez à comprendre la beauté du Mont Sion. Mount Zion is a people. Le Mont Sion c'est un peuple. Amen. Amen. And they are the people who are dwelling in the heavens. C'est un peuple qui habite dans le ciel. Even though they are on earth here. Quoi qu'ils soient encore sur la terre pour l'instant. Their kingdom is not of this world. Leur royaume n'est pas de ce monde. And nothing of this world intoxicates them. Et rien de ce monde ne peut les intoxiquer. They are looking up to Jesus. Ils ne regardent qu'à Jésus-Christ. The author and the finisher of their faith. L'auteur et le consommateur de notre foi. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Turn to Psalm 74. Psalm Remember 74. That congregation which thou hast purchased of old. Psalm 74. Psalm 78. I'm reading from verse 2. Psalm 78 à partir du verset 2. God is being asked by David here. Remember your congregation that you have purchased of old. Yes. 78. Verse 2. Verse 2. 74 verse 2, sorry. Oh, 74 verse 2. 74 verse 2. Il dit, souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. We have been purchased by the blood of Jesus. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. We are the ones purchased with his blood. Nous sommes ceux donc qui ont été rachetés par le sang de Jésus. We are the people of God. Called by his name. Nous sommes le peuple de Dieu appelé par son nom. Brought from the dark. I am delivered from shame, one holy race, saints everyone, because of the blood of Christ, Jesus the Son. So hear us, O spirits of darkness, so you will know where I stand. We are and purchased with scars. We've been bought by the blood of the Lamb. The blood of the Lamb. So we're the people of God. Called by his name, born from the dark and delivered from shame, one holy race, saints everyone, because of the blood of Christ, Jesus the Son. Hallelujah! The people coming upon the earth in this little stone are a people that are purchased by God. Un peuple qui vient sur la terre et qui a été racheté par Dieu vient comme une pierre, cette petite pierre. The devil cannot lay claim to your life. Le diable ne peut pas réclamer ta vie. He thought he got you by deceiving you. Il pense qu'il t'a reçu. But you have been bought back by the blood of Jesus Christ. That blood was real. Ce sang est réel. It was shed on the cross. Ce sang a coulé sur la croix. That is the most precious blood upon the earth. C'est le plus puissant des sangs sur la terre. When they killed him, quand ils l'ont tué, the Bible said that Satan regretted it. La Bible dit que le diable a regretté. He did not know that he was killing the prince of life. Que Satan a regretté. Il ne sait pas qu'il a tué le prince de la vie. But the blood was released. Et le sang a coulé. To purchase you and I. Pour te racheter, pour me racheter. Hallelujah! You have been bought with the blood of Jesus Christ. Tu es né par le sang de Jésus. You owe the devil nothing. Tu as été racheté par le sang de Jésus. He has no more claim over your life. Tu ne dois rien au diable. He has no more claim over your estate. Le diable ne peut plus te. He has no more claim over your family. Il n'a pas le droit d'aller sur ta famille. You have been bought by the blood. Tu as été racheté par le sang. Wake up every morning and remind the devil. Oui, chaque matin quand tu te réveilles. Remind the circumstances of your life. Rappelle au diable. That you are
purchased possession. Rappelle que tu as été racheté. Of the Almighty God. Par le Tout-Puissant. Glory to God. Amen. Remember that congregation. Rappelle-toi de ton église. Which you purchased of old. Verse 2. Le verset 2, je lis. Souviens-toi de ton peuple que tu as racheté. The rod of thine inheritance. Souviens-toi. Which thou hast redeemed. Que tu as racheté comme le tribut de ton héritage. This Mount Zion. Ce Mont Sion. Wherein thou dwellest. Dans lequel tu habites. Amen. 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 God dwells in Mount Zion. Dieu habite au Mont Sion. God dwells in you. Dieu habite en toi. Amen. So you need to begin to call on God. Donc tu dois commencer à appeler le Seigneur. To remember de se souvenir this Mount Zion. Ce Mont Sion. That he purchased. Qui a été racheté. With his blood. Par son sang. Blessed be the name of the Lord. Amen. Oh, you will say, but my life is not perfect as it is being described. Oui, tu diras que ma vie n'est pas parfaite comme c'est écrit ici. Read verse 3. Regarde le verset 3, lis. Lift up thy feet. Porte tes pas vers l'esprit. Unto the perpetual desolations. Vers ce lieu constamment dévasté. The desolations in your life. La désolation de ta vie. Those ta things vie. That are not measuring up to standard. Ces choses qui ne sont pas conformes au standard. Those deficiencies you think are the things not allowing you to be the mountain that the Lord has called you to be. Ces déficiences qui t'empêchent d'aller vers la montagne dont le Seigneur dit que tu es. David said, "Oh God, lift up thy foot upon these perpetual desolations, crush them." David dit, lève ton pied et marche sur. Destroy them. Détruis ces désolations. Defeat them. Faut les vaincre. Overcome them. Faut les vaincre. Lift up thy feet. Tiens ton pied sur cela. The perpetual desolations. Sur ces désolations perpétuelles. Even all the enemy. L'ennemi a tout ravagé. Had done wickedly in your sanctuary. Tout l'ennemi a tout ravagé dans ton sanctuaire. The enemy has no right. L'ennemi n'a pas le to droit. To afflict any of you with disabilities. Il n'a pas le droit de vous affliger. He has affliger. No right. Il n'a pas le droit. To afflict you. De nous affliger. With impotence. De nous affliger par des... When it comes to dealing or living a righteous life, il n'a pas le droit de nous affliger. He has no right. Il n'a pas le droit. To keep you in sin. De nous garder dans le péché. Or in bondage of any kind. De nous garder sur tout esclavage. Amen. God has purchased you with His blood. Dieu nous a racheté par le sang. Tonight He will lift off His feet. Aujourd'hui, tu vas tenir ton and pied. And crush all these disabilities. Et tu vas marcher tout seul, tu devrais. And crush all these impotence. Et tu vas marcher tout seul. And crush all the rebellion. Et toute cette rébellion, tu vas marcher. All the bondages. Toutes ces that are making you not to be beautiful the way the Lord has created you. Qui fait que tu ne peux pas être beau comme le Seigneur veut que tu sois. Lift up thy feet. Lève ton pied. Unto the perpetual desolation. Sur cette désolation perpétuelle. The Lord will lift off his feet tonight. Le Seigneur va lever son pied and ce soir. And he will crush those things out of your life. Et il va marcher sur cela au-delà. All the enemies. Tous les ennemis. That unlawfully occupy your temple. Qui sont venus sans droit pour occuper. The Lord's feet is lifted up tonight. Donc Dieu voit que tu lèves and le pied. And he will crush every one of them. Le Seigneur lève le pied, il va le marcher sur eux. Amen. Amen. They have done wickedly in the sanctuary. Ils sont venus dans le sanctuaire pour créer de la méchanceté. You see beautiful children of God. Vous voyez des beaux enfants de Dieu. Are submitting themselves to be lowered to sin. Et qui sont soumis au péché. Or oppressed by the devil. Ou qui sont opprimés par le diable. You are sleeping at night, the devil takes your soul to go and use for something. Oui, ils dorment la nuit et le diable prend leur âme pour aller faire quelque chose de mauvais. Or he holds your life to ransom. Ou il prend leur vie en rançon. You are struggling. Et tu es en train de te débattre. You need to invoke the purchase price. Tu dois appeler le sang qui a the blood of the lamb. Le sang de l'agneau. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom and du Seigneur. Then call on your God. Et appelle le who Seigneur. Who dwells in you. Le Dieu qui habite en to toi. To lift up his leg. Pour lever son pied. And crush. Et marcher. All the enemies. Et marcher sur l'ennemi. Amen. Amen. I find it difficult to accept when a child of God goes astray into sin. Je vois difficile. Je trouve difficile lorsque un enfant de Dieu va dans le péché. No, I'm just weak in this area. Il dit non, que je suis faible dans ce domaine. It's the wickedness of the enemy.
Oui, c'est la méchanceté du diable. Tonight the Lord's feet is lifted up. Oui, aujourd'hui le pied du Seigneur. And he will crush all the enemies. Et il va écraser tous ses ennemis. He will crush all rebellion. Il va écraser toute cette rébellion. Anything in your life that is refusing to conform to the image of Christ shall be crushed by the feet of the Lamb of God. Tout ce qui refuse de se conformer à l'image de Christ sera écrasé. Blessed be the name of the Lord. Amen. The Lord descends upon Mount Zion. Donc Dieu descend sur le and mont. The mountain splits. Il est descendu two. Sur le mont Sion et le mont a été divisé en deux. Glory be to God. Amen. Amen. Tonight the Lord's feet is lifted up. Cette nuit, as ce we soir, are going to be praying, le pied du doesn't Seigneur matter levé. What the bondage has been. Quand nous allons prier, you may even have somebody who is not here. But the enemy is sitting on the person. Mais le diable est assis sur the la personne. The Lord's foot is lifted up. Le pied du Seigneur est levé. And he will tread them down. Et il va marcher sur he will tread down those enemies. Et il va les the Mount Zion of God must be free. Oui, the person seront libérés. Mount Zion must be released. Oui, le Mont Sion sera délivré. This is where God dwells. C'est là que Dieu habite. Beautiful for his elevation. Oui, beau pour l'élévation. Blessed be the name of the Lamb of God. Amen. Hallelujah. Thine enemies roar in the midst of thy congregations. That is terrible. They are even putting up their banners. Ils ont même mis leurs bannières. Some of you are carrying the banners of the enemy on your bodies. Certains même continuent de transporter la bannière du diable dans leur corps. You raise up arthritis as a banner and you are carrying it along. Et tu raise up. A sickness. Ou la maladie. And you're carrying it along. Et tu transportes la maladie. My son there is laughing. Praise the name of the Lamb of God. He said they are lifting up banners in your sanctuary. Il dit qu'il a levé des bannières dans ton sanctuaire. The banner is lifting up in your life may be failure. Ce qui dans ta vie est une perte une you're failing in everything. Tu as la défaite dans toutes choses. The devil is just laughing. Ha 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 ha. Et le diable se rit de toi. You go about in your day with those banners. Tu vas dans ton corps, il y a cette défaite. God is lifting his foot. Dieu lève son he pied. He will crush those banners. Et il va écraser cette défaite. You have only one banner to carry. Tu n'as qu'une seule the bannière. The banner of the name of the Lord. Une seule bannière à porter, c'est la bannière one of the names du nom of our Dieu. God is that he is the Lord our banner. Oui, il est le tenant notre bannière. Amen. So raise your right hand and say, I drop every other banner. Je chasse toute autre bannière. I carry only the banner of the Lord. Je prends seulement la bannière de l'Éternel. Hallelujah. You are only allowed to carry one banner. Tu es seulement autorisé à utiliser une seule bannière. The Lord of hosts himself. Oui, l'Éternel des armées. He is seulement. Our ensign. Il est notre signe. He is our banner. Il est notre bannière. I refuse to carry any other banner. Je refuse de porter une autre blessed bannière. Blessed be the name of the Lamb of God. Hey, if the devil gives you another flag to carry, refuse to carry it. Si le diable t'envoie une autre chose à porter, refuse de le porter. Why should he use your body to advertise his sicknesses? Pourquoi tu dois prendre ton corps pour faire l'annonce de sa maladie? Why should he use your vessel to advertise his failures? Pourquoi il doit te prendre pour faire l'annonce de toutes ses échecs? Why should he use your marriage to advertise his divorce? Pourquoi il doit prendre ton mariage pour annoncer why should cet he divorce? Use your marriage to advertise his unfaithfulness? Pourquoi il doit prendre ton mariage pour faire l'annonce de ses infidélités? Why should he use your home to advertise adultery? Pourquoi il doit prendre ton espérance pour faire l'annonce de l'adultère? Paul said, "Let no man trouble me from now on." Oui, que personne ne te trouble à partir because de maintenant. Because I carry about the mark, the banner of the Lord in my body. Parce que maintenant je prends la bannière de l'Éternel dans mon corps. That's the only thing I will carry from now on. C'est la seule chose que je dois maintenant porter. I refuse to carry failures. Je refuse de porter. I refuse to carry ungodliness. Je refuse de porter. I refuse to carry limitations. Je refuse de porter la limitation. I refuse to carry corruption. Je refuse de porter la corruption. I refuse to carry mortality. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The Lord is my banner. Le Seigneur est ma bannière. And I will bear in my body. Et je porterai the banner mon corps of the Lord, God of hosts. Je porterai dans le corps la bannière shout de l'Éternel, l'Éternel des armées. Thank you, Lord. A man was famous in verse 5, according as he lifted an axe upon the thick tree. On l'a vu pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. But now they break down the carved work thereof at once with axes and hammers.
They have cast fire into thy sanctuary. That is a shame. Fellowships fighting one another. Christians who should be building one another up, they are fighting and calling each other names. No. Des églises qui se battent entre elles. No matter how bad your brother or your sister is, if another person comes to talk bad about him or her, you will be angry. Normalement, même si tu as ton frère qui, quel que soit le fait qu'il soit pas bien, si quelqu'un vient te parler de lui en mauvais, tu dois pas être content. So why should we entertain gossip about one another in our churches? Pourquoi dans nos églises nous sommes en train de faire des discussions qui ne sont pas foutueuses? They've cast fire in the sanctuary. Et ils ont envoyé donc le feu dans le sanctuaire. We in Mount Zion will not be like that. Nous, Mont Sion, nous ne serons pas comme ça. Amen. 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 Hallelujah. He said they have defiled by casting down the dwelling place of thy name to the ground. Defilements in the house is a terrible thing. Profaner la maison de Dieu est une chose terrible. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. They are casting it to the ground. Ils l'ont mis à terre. They are saying in their hearts, let us destroy them together. They have bound up all the synagogues of God in the land. We see not our signs. Hey, that is terrible. We are not seeing the banner we should see. Instead, we are seeing other banners. On ne voit pas la bannière que nous devons banners voir. Of limitations. On voit d'autres bannières. Bannières de la banners limitation. Of inability. Bannières de l'inhabilité. Banners of corruptibility. De la corruption. Even banners of death. Bannières de la mort. May God help us. Que Dieu nous aide. Mount Zion will never be like that. Mon Sion ne sera jamais comme Verse 10, oh God, how long shall the adversary reproach? Shall the enemy blaspheme your name forever? Why withdrawest thou thy hand, even thy right hand? Pluck it out of your bosom. For God is my King of old, working salvation in the midst of the earth. Thou didst divide the sea by thy strength. Thou breakest the heads of the dragons in the waters. Thou breakest the head of Leviathan in pieces. Thou givest him to be meat to the people inhabiting the wilderness. Thou didst cleave the mountains by stepping on it, and the flood. You opened it up. You dried up the mighty rivers so the people can pass. Amen. Doesn't matter what the enemy is casting in front of you. The Lord will make a way. Peu importe ce que l'ennemi met devant toi, le Seigneur fera un chemin. Dry it up. Il enverra un fleuve qui va le dessécher. Amen. The day is dying. The night also is dying. Thou hast prepared the light and the sun. Thou hast set all the borders of the earth. Thou hast made summer and winter. Remember these, that the enemy had reproached thee, O Lord, and that the foolish people have blasphemed thy name. O, deliver not the soul of thy turtle dove unto the multitude of the wicked. Forget not the congregation of the poor forever. Have respect unto the covenant. For the dark places of the earth are full of the habitation of cruelty. Oh, let not the oppressed return ashamed. Let the poor and needy praise thy name. Arise, O God, plead thine own cause. Remember how the foolish man reproached thee daily. Forget not the voice of thine enemies, the tumult of those that rise up against thee. Increase it continually. God will not forget all those things. He will judge them. Dieu ne voudra pas ces choses, il va les juger. You see, all of these things that God is being called upon to do is so that you can be free to be the Mount Zion, the mountain you are expected to be. Tout ce que Dieu a été appelé à faire pour que toi tu puisses être libre, pour être Mont Sion. What is God doing? Qu'est-ce que Dieu a fait? He is making his will known. Il fait connaître sa volonté. By his revealed word. Par la révélation de sa parole. Hebrews chapter 1 verse 1. It says, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken to us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the ages, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power,
when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high, being made so much better than the angels, as he had by inheritance obtained a more excellent name than they. Amen. 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 God is speaking to us by his son. Il nous parle par le fils. He is opening up the word of God to us afresh. Dieu nous ouvre encore sa parole de façon nouvelle. He is correcting doctrinal errors and falsehood. Il corrige toutes les erreurs doctrinales et les fausses prédications. If the word of God is not properly understood, people will not run to attain unto it. Si la parole de Dieu n'est pas correctement comprise, les gens ne vont pas aller vers elle. The limited understanding of the word of God that confines us to a people who just come, oh, live well in this world, die and go to heaven. God is changing that. Toutes ces limitations qui concernent les mauvaises paroles qui disent, meurs, tu vas aller au ciel. Dieu va changer toutes ces paroles. He is showing to us. Il nous montre. We shall not all die. Nous ne mourrons pas tous. But we shall be changed. Mais nous serons changés. In a moment, in the twinkling of an eye, en un instant, avec and the last trumpet. For the trumpet shall sound. Oui, la trompette sonnera. And the dead shall be raised incorruptible. Et les morts seront incorruptibles. Hallelujah. God is correcting that. Dieu est en train de corriger cela. God wants you to know. Il veut que tu saches. He is coming on the earth. Il vient sur la terre. He will first of all be revealed in your heart. D'abord, il va être révélé dans ton cœur. He will first of all secretly unveil himself to you. Il va d'abord se révéler de façon secrète à toi. Before he comes at the end. Avant qu'il ne vienne à la fin. Literally. De façon littérale. Blessed be the name of the Lamb of God. A people must know him. Un peuple va le connaître. A people will understand him. Un peuple va le comprendre. He has an appointment with the people. Il a un rendez-vous avec un peuple. They are revealing. He is revealing himself to them. Il se révèle à eux. He's appearing to them. Il leur apparaît. He's showing them, I am Jesus. Il leur montre que je suis Jésus. Whom you have heard about. Dont vous avez entendu parler. So the Bible is no longer just a bunch of letters. La Bible n'est pas seulement des écritures. The word of God is life. La parole de Dieu est vie. Blessed be the name of the Lord. The word of God is reality. La parole de Dieu est une réalité. Our God is real. Notre Dieu est réel. One of my sons had an encounter with God. Un de mes enfants a eu une rencontre avec Dieu. And he was, as he prayed, the presence of God came into his room. Pendant qu'il priait, la présence de Dieu est venue dans sa chambre. He said, I want to see you. Il dit, je veux te voir. Lord, I want to see you. Il dit, Seigneur, je veux te voir. He began to cry, I want to see you. Il commença à crier, il dit, je veux pleurer, je veux te voir. And then the word of God first of all came. Et la parole de Dieu d'abord est venue. All he was seeing was a bunch of writings. Tout ce qu'il voyait, c'était des écritures. And then those words began to reconstitute into a human form. Et donc ces écritures ont commencé à se constituer en une forme humaine. A beautiful, handsome, glorious Lord stood in front of him, radiating bright lights. Et une belle, un beau Seigneur s'est tenu devant lui. Tout éclatant. When he came out of it, he came to me. He said, Daddy, quand il est venu, il the word of God is a person. Il est venu dire, Papa, said, the word of God is real. Il dit, la parole de Dieu est une personne. La parole he de said, Dieu est réelle. In the beginning was the word. Il dit, au commencement était and la parole. The word was with God. Et la parole était avec Dieu. And the word was God. Et la parole était Dieu. The same was in the beginning with God. Elle était au commencement avec all Dieu. All things were made by him. Toutes choses ont été faites par and elle. Without him was not anything made that was made. Et en dehors d'elle, rien n'a été fait. In him was life. En elle était la vie. And the life was the light of men. Et la vie était la lumière des hommes. And the light shined in darkness. Et la lumière lui dans les ténèbres. The darkness comprehended it not. Les ténèbres ne l'ont pas compris. And further he said that the word became flesh. Et plus tard il dit que la parole est devenue chair. And dwelt amongst us. Et habité parmi les hommes. He was shedding tears. Et donc il a commencé à pleurer. He saw a bunch of letters looking like Bible. For il a vu des paroles qui étaient comme la Bible. And they coalesced together, congregated. Et ils sont tous venus ensemble pour venir comme une forme humaine. So today, if you tell him the word of God is life, he does not doubt you. In fact, he understands what you are saying. Donc, si tu lui dis que la parole de Dieu est vie, il peut pas douter de cela. Il comprend ce que tu dis. And you know what makes me happy? Vous savez ce qui m'a réjoui? He is a youth like any of you here. Hallelujah. Et il est un jeune comme plusieurs parmi vous. Many of you will see him. Plusieurs le verront.
When they speak the word of God to you, quand on vous parle la parole de Dieu, he will come as a person. Il viendra à vous comme une personne. Hallelujah. He said, I saw upon Mount Zion. Il dit, j'ai vu sur la sur le mont Sion. He said, I saw a rider on a horse. Il dit, j'ai vu un cavalier sur un cheval. And there was a name written on him. Et il y avait un nom qui était écrit sur lui. The name is the word of God. Et le nom est écrit, le nom, la parole de Dieu. Blessed be the name of the Lord. Amen. Glory be to God on high. Amen. God is revealing himself to us. Dieu se révèle à nous. He's making the word of God real. Il fait que la parole est réelle. Each time I look at the Bible, chaque fois que je regarde la Bible, it looks real. C'est réel pour moi. Anytime I teach on a subject, toute fois que je prêche sur un sujet, when I meditate on it again, quand je médite encore cela, new facts will emerge. Il y a de nouvelles choses qui God viennent de cela. God opens it up afresh. Dieu l'ouvre à nouveau pour moi. Glory be to God on high. The revealed word of God. La parole révélée de Dieu. That is what God is doing at this time. C'est ce que Dieu fait en ce temps-ci. He will teach you the word of God himself. Il va vous enseigner sa parole lui-même. Amen. 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 And he will teach us of his ways. And we will walk in his path. For the Lord shall go forth out of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Amen. Amen. He's teaching us his word. Il nous enseigne sa parole. In Ephesians chapter 1, Ephésiens chapitre 1, Paul prayed a prayer. Paul a fait une prière. At verse 17, verset 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints, what is the exceeding greatness of his power to us who do believe, according to the working of his mighty power which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named or can be named, not only in this age, but also in that which is to come. Amen. Amen. And hath put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all and in all. God is revealing himself to us. In these last days, dans ce temps de la fin, the Lord will give us visions. Dieu va nous donner des visions. He will unveil to us his word. Il va nous révéler sa parole. He will show us the truth of this little stone hewn without hand. Il va nous montrer la vérité de cette petite pierre. This is the dream. Voici le songe. This is the vision. Voici la vision. We must keep it alive. Nous devons la garder vivante. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. So this is one of the first things God is doing. He's opening himself to us. La première des choses, c'est que Dieu se révèle à nous. In 1 Thessalonians chapter 4, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verse 16, verset 16, he said that we shall be changed. Il dit, nous serons transformés. In a moment, dans un moment, and in the twinkling of an eye, en un clin d'œil. Amen. Take note of this, that the twinkling of the eye alludes to the opening up of your vision. Prenez soin de cela. Le clin d'œil, c'est l'ouverture. God will lift up pour your avoir vision. La vision. Dieu va élever ta vision. From what you've always known, que tu pas. He will lift it up high. Pour ce que tu connais déjà, Dieu he va, will jack va, your eyes. Dieu va te lever un peu plus dans la conscience. Onto a higher unveiling. Dans une dimension de révélation plus élevée. Of himself. De sa personne. This is why there is a lot of revelation of the word of God. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de révélations de la parole de Dieu. Every time I sit under a teacher, I'm excited. Chaque fois que je m'assois en tant que enseignant, because je suis the word of excité. God comes alive. Parce que la parole de Dieu vient de façon vivante. All the scriptures that appear dead in the Old Testament. Toutes les paroles qui semblaient mortes dans l'Ancien Testament. That just look like nothing but a bunch of laws. Qui étaient comme des qui ressemblent à
seulement la loi. To the theologians, they are mere stories. Pour les théologiens, c'est des histoires. But they come alive. Elles deviennent vie. You see their prophetic implications. Vous voyez l'implication prophétique. You see divine implications to every word, every sentence, every phrase in the Bible. Vous voyez l'implication divine de toutes les phrases qui se trouvent dans la Bible. That is what God is doing at this time. C'est ce que Dieu est en train de faire ces temps-ci. A people will know the word of God. Un peuple connaîtra la parole de Dieu. A people will have the truth unveiled to them. Un peuple verra la vérité se révéler à eux. A people will be delivered from darkness. Un peuple sera délivré de la ténèbre. In Psalm 74, he said, "The day belongs to you." En Psaume 74, il dit le jour t'appartient. The night also belongs to you. La nuit également t'appartient. The devil cannot hide in darkness and do nonsense anymore. Le diable ne peut se cacher dans les ténèbres. We'll see him and we'll understand what he's doing. Nous le verrons et nous comprendrons ce qu'il est en train de faire. I will tap him and say, "Hey, devil, stop it." Et nous dirons, diable, arrête ça. I was looking at you when you were doing these things. Je te regardais quand tu faisais ceci. The moment the devil discovers that he is discovered, he will stop what he's doing. Dès que le diable découvre qu'il est découvert, il arrête tout ce qu'il fait. When the words of darkness are brought to light, they become impotent. Quand les œuvres du diable viennent à la lumière, ils deviennent light is more powerful than darkness any time, any day. La lumière est plus puissante que les ténèbres à tout moment, à no matter how small the light. Peu importe cette petite lumière. Amen. No matter how small the light. Peu importe que la lumière soit petite. Darkness will run away from it. Les ténèbres vont toujours fuir de la lumière. Have you observed that science have no measure of darkness? Est-ce que vous avez observé que les sciences n'ont pas de mesure pour les ténèbres? Students, what is the unit of measurement of light? Quelle est l'unité pour mesurer la lumière? Lumens, right? Lumens. Okay, what is the unit of measurement for darkness? Quelle est l'unité de la mesure des ténèbres? There is none. Darkness is a non-entity. Les ténèbres sont une entité. Hallelujah. Ne sont pas connus. Darkness is a non-entity. That's why even man didn't see the need to quantify it. Même l'homme ne sait pas comment le quantifier. Praise the name of the Lord. My brother is laughing. C'est pas une entité. Am I saying something jesting? But that's the truth. Well, if you think I'm not saying the truth, tell me the measure, the unit of measuring darkness. There's no. That is why the devil is absolutely powerless. C'est pour ça que le diable est impuissant. In the sight of the light. Il est impuissant lorsque la lumière vient. In the sight of the word of God. Il est impuissant lorsque la parole de Dieu vient. You see why you need to stay in the light all the time. Vous voyez pourquoi on devait rester à la lumière tout Because le temps. Because the devil becomes a non-entity. Parce que le diable devient une. When you abide in the light. Le diable devient efficace lorsqu'on est dans la lumière. So this is what God is doing. Parce que Dieu est en train de faire. In these last days. En ce temps de la fin. He is opening things up to us. Il ouvre les choses pour nous. Praise the name of the Lord. Amen. The last feast, which is the feast of tabernacles. La dernière fête qui est la fête des tabernacles. The very first feast of the three feasts. La première fête de ces trois fêtes. Is the feast of the blowing of the trumpets. C'est la fête de trompettes. The prophetic announcement of the purposes of God. La parole prophétique pour annoncer les choses de Dieu. The prophetic announcement of the plans of God. La parole prophétique pour annoncer le plan de Dieu. The unveiling of light so that people will see the extent to which they have drifted away from God. La révélation de la lumière pour que les gens voient comment est-ce qu'ils peuvent sortir des ténèbres. That's why all appearances of the Lord are preceded by the sounding of the trumpet. C'est pour cela que toute apparition de l'Éternel est précédée du son de la trompette. For the Lord shall descend from heaven with a shout. Car l'Éternel descendra du ciel avec une And with the sound of a trumpet. Avec un cri et le son de la trompette. Why does he reveal himself, only after he has sounded the trumpet? Pourquoi il se révèle juste après avoir sonné la trompette? He does not come without the blowing of the trumpet. Il ne vient pas sans qu'il n'y ait eu le retentissement de la trompette. Amen. Because the trumpets are the means of his revelations. Parce que les trompettes sont la signification de la révélation. He opens up the word to you. Il ouvre la parole à toi. He shows you the reality of the word. Montre la réalité de la parole. You understand it.
Tu comprends. You know it. Tu le connais. And when you step into it, et quand tu marches dedans, you get results. Tu reçois le résultat. For the trumpet shall sound. Car la trompette sonnera. The dead shall be raised incorruptible. Les morts ressusciteront incorruptibles. He is revealing himself. Il se révèle. By blowing the trumpet. Par faisant retentir la trompette. This is the thing that the Lord is doing at this time. C'est ce que l'Éternel est en train de faire ces temps-ci. Blessed be the name of the Lamb of God. Béni soit le nom du Seigneur. He is revealing, unveiling his word to us. Il se révèle sa parole à nous. As never before. Comme jamais auparavant. He is teaching us his word. Il nous enseigne sa parole. And we need to pray for understanding. Et nous devons prier pour la compréhension. So that we know what the Lord is doing. Afin que nous sachions ce que le Seigneur fait. So that we know what he is saying to us. Afin que nous sachions ce qu'il est en train de faire. Thank you, Lord. I must round up. I didn't realize time has gone this far. Tu n'as pas rendu compte. Number two, of what he is doing at this time. The Lord is establishing us in his purposes. L'Éternel est en train de nous établir dans son but. Amen. 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 It says in Isaiah chapter 2. En Isaïe chapitre 2. Verse 2. And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above all the hills. Amen. Amen. It is then that nations will begin to flow into it. Blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed be the name of the Lord. He is establishing us. The word to establish means, you know, to properly set up. Le terme établi veut dire mettre établi de façon propre. To build up something. Construire quelque chose. And make it stand upright. Et faire qu'il se tienne debout tout droit. No longer bowed down. Et il n'est pas courbé. No longer bent over. Qui n'est pas courbé. To stand perpendicular. Oui, de se tenir de façon perpendiculaire. Not inclined at an angle. Non, il n'est pas incliné comme un angle. The word means to stand firm. Donc la parole, le mot dit. Tenir ferme. It means to be faithful. Être fidèle. It means to be perfect. Être parfait. Blessed be God forever. Amen. That word is so powerful. It means to be made ready. Cela veut dire qu'il faut être prêt. Amen. It means to be set up. Être établi. To be firmly established, unshakable. D'être fermement établi et non. It means to be secure, to be stable. Être stable. To be fixed. Être fixé. To be steadfast. Être fixé. The Lord is establishing his purposes. He teaches us his purposes and he establishes us in it. Oui, le Seigneur nous enseigne son but et il nous établit dans son but. He makes us to understand it. Il nous fait comprendre cela. Blessed be God forever. Amen. Hallelujah. Number three. La troisième étape. The Lord is lifting up his house. L'Éternel est en train de lever sa maison. Amen. 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 In Isaiah chapter 2, the same Isaiah chapter 2, he says that the house will be exalted above the hills. Il dit la maison va être élevée au-dessus des collines. This is spiritual elevation. C'est une élévation spirituelle. Many of us are so weak. Plusieurs parmi nous sont très faibles. We are dwelling on the earth. Et nous vivons sur la terre. Darkness and dust. Les ténèbres et la are filling us and disturbing us. Les ténèbres et la saleté nous. To the extent that witches can even press some of us down. De telle sorte qu'on peut même appuyer certaines personnes, les envoyer à terre. When a sorcerer, you know, is located near our house, we become jittery. Quand un sorcier est notre voisin, nous devenons apeurés. Say, they say that man is very powerful. On dit, ah, ce monsieur-là est très puissant. He's an occultic person. Ah, c'est un occulte. I woke up and the heavens were all cloudy and very heavy spiritually. I couldn't even pray. Oh yeah? Je me suis levé, on dit, ah, je n'arrivais même pas à prier parce que j'avais toute une lourdeur. No problem, but God is exalting his house. Il y a pas de problème, mais le Seigneur est en train de lifting up his house. Il est en train d'élever sa maison. Above the hills. Au-dessus des collines. Above all the magical powers. Au-dessus des puissances magiques. Above the abilities of the magicians.
au-dessus de l'habileté des magiciens. He's lifting you up above all darkness. Il te lève au-dessus de toutes ténèbres. Praise the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. When the devil is dispensing wickedness and making people sleep. Quand le diable envoie la méchanceté et fait que les gens sont en train de dormir. But you are, you've mounted up above the clouds. Mais toi tu es au-dessus des cieux. Did you notice that when a plane goes up into the skies, it goes above the clouds? Vous avez remarqué lorsque un avion va dans le ciel, il va au-dessus. They can be having rains down. Il va au-dessus des nuages. On peut avoir la pluie en dessous. They can be having rains down. Il peut avoir la pluie en dessous. And you look down and you see, oh, it's raining on the people on the earth. Et tu regardes et tu dis, ah, il pleut sur les hommes de la terre. But you are up there above them all. Et toi, tu es au-dessus d'eux. Amen. Amen. When the devil thinks he has put everybody to sleep to do his works. Quand le diable pense qu'il a envoyé tout le monde, il a ensommeillé tout le monde. He suddenly realizes you are not sleeping. Et il se rend compte que tu n'es pas en train de dormir. His magical wands do not affect you. Il voit que ses activités magiques ne te God is pas. Going to lift you up. Dieu va te lever. By the time this conference is over tomorrow, you will be lifted up. D'ici que la conférence soit terminée, tu vas voir que tu as été élevé. The Lord is elevating us above hills. Le Seigneur nous élève au-dessus des collines. Hills are powers. Hills are powers. Les collines sont des puissances. But we are mountains. Mais nous sommes des montagnes. We are not hills. Nous ne sommes pas des collines. We are higher than the hills. Nous sommes plus que les collines. Blessed be the name of the Lamb of God. Béni soit le nom du Seigneur. All these small powers will behave when the Lord have lifted you up. Toutes ces petites puissances là vont se mettre en rang lorsque le Seigneur va te lever. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He said, God is lifting us up. Dieu nous élève. He said to John, in John Revelation chapter 4, come up hither. Il a dit à Jean dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, John said, monte plus haut. Immediately I was in the spirit. Immédiatement Jean dit, je me suis retrouvé dans l'esprit. When the Lord calls you up, quand Dieu t'appelle à you monter, you have no strength to say no, I'm not coming. Tu n'as pas de force pour dire non, je ne viens pas. Because the word that says come up hither. Parce que la parole qui dit viens plus haut. Lift you out from where you are. Te soulève en même temps d'où tu es. Amen. Amen. That, so you can't say that, come up here. He said, no, Lord, I'm not coming. Tu peux pas dire non, je viens pas. You can't. You don't have a choice in the matter. Tu n'as pas de choix dans ce sujet. He says, come up here. Il dit, viens plus haut. A force beyond yourself will lift you out of where you are into where you want to. Oui, et une force qui est au-delà de tes capacités va te lever pour t'envoyer là où tu. He said to John, come up here. Il dit à Jean, monte plus haut. And immediately I was in the spirit. Et il dit immédiatement j'étais en esprit. And I saw. Et j'ai vu. John could not say no, I'm not coming. Jean pouvait pas dire non, je viens pas. He had no choice. Il n'avait pas le choix. The Lord is lifting up His house. Le Seigneur est en train de lever sa maison. All who are subscribing to this understanding, it is automatic. God lifts you up. Tous ceux qui ont adhéré à cette compréhension, automatiquement Dieu vous élève. From the day I subscribe to this word. Depuis le jour où j'ai adhéré à cette parole, I discover I have no choice in many matters. J'ai découvert que je n'avais pas de choix. Once dans it is the sujets. Voice of God, quand c'est la voix de Dieu, I obey it before I have time to complain. J'obéis avant même d'avoir le temps de me plaindre. I obey it before I even remember. Oh, what? Why did I do that? J'obéis même avant de me rendre compte. Pourquoi je fais ceci? Because the force of God's word. Parce que la force de la parole de Dieu. Will lift you up. Va te lever. For the word of God is alive. Car la parole de Dieu est vivante. And powerful. Et puissante. And sharper than any two-edged sword. Et plus tranchante que une épée à deux tranchants. Blessed be the name of the Lord. Number four. La quatrième chose. The Lord is pouring out His Spirit upon us. La quatrième chose que Dieu fait, il est en train d'envoyer son esprit sur nous. Hallelujah. It's a promise that the Lord has given. C'est une promesse que Dieu a donnée. That in the last days, que dans les derniers temps, He will pour out of His Spirit. Qu'il mettra son esprit. There is an outpouring that is happening. Il y a une onction qui est en train de se faire. Joel chapter 2. Joel chapitre 2. From verse 28. À partir du verset 28. He said it will come to pass in the last days. Il dit cela viendra dans les Joel temps. Joel said it will come to pass in those days. Joël dit que ça viendra dans ces temps. When Peter was explaining it, he said it will come to pass in the last days. Quand Pierre expliquait plutôt, il a dit que cela va se passer dans les temps de la fin.
If 2000 years ago it was the last days, si il y a 2000 ans c'était le temps de la fin, how last do you think are today's? comment vous voyez que c'est aujourd'hui? Praise the name of the Lamb of God. Comment vous le voyez aujourd'hui? We are close. The journey is no longer far. Oui, la voie n'est plus longue. We are near. Le chemin n'est pas long. Nous the sommes time proches. Of the unveiling. Le temps de la révélation. A time when your heart is going to break forth. Le temps où ton cœur va s'ouvrir. With the light of eternal life. Avec la lumière de la vie éternelle. With the light of immortality. Avec la lumière de la with la the immortalité. Light of incorruptibility and life. Avec la lumière de l'incorruptibilité et with la the vie. Light of the Christ himself. Avec la lumière de la vie de Christ lui-même. Oh brethren, it's not time, this is not the time to be absent. Frère, ce n'est pas le temps d'être absent. From the house of God. D'être absent de la maison de l'Éternel. No matter the offense. Quelle que soit l'offense. I made up my mind. Je me suis dit ceci. The church of God. L'église de Dieu. Is the pillar of truth and ground of truth. L'église de Dieu est le pilier de la vérité. Nobody is going to drive me away from it. Personne ne me chassera de l'église. If you offend me, si tu m'offenses, and think I'm going to get angry and go away, you better think twice. Look for another thing to do. Si tu m'offenses, tu penses que je vais me fâcher pour partir. Because I'm not going anywhere. Dieu, je n'irai nulle part. You will see me for a very long time to je come. Je serai là encore. I will be there. Je serai là. You might as well learn how to live with me. Tu vas donc chercher à vivre avec moi. Blessed be the name of the Lamb of God. Amen. Because it won't be long anymore. The Lord of the, our God from heaven will be revealed from our spirit. Oui, notre Dieu du ciel va se révéler par notre. He will make himself known to the world. Il se fera connaître par le monde. So abide in the house. Donc reste dans la maison. He's pouring out his spirit. Il envoie son esprit. It is this spirit that will quicken you. C'est cet esprit-là qui va te rendre vivant. And bring about your perfection. Et va t'envoyer à la perfection. You think the journey is very long. Tu penses que le chemin est encore long. To where we are supposed to go. Et encore long jusqu'à où on va y aller. The distance to who we are supposed to be. La distance où nous sommes. But thus saith the Lord. Mais ainsi parle l'Éternel. The Lord will perfect that which concerns you. Le Seigneur va rendre parfait ce qui te concerne. God said I will do a quick work. Dieu dit je ferai un travail rapide. And I will cut it short in righteousness. Et je vais raccourcir cela dans la justice. Even though you appear far from what you ought to be. Même si tu penses que c'est encore loin de là. There is a working of the Lord. Il y a une œuvre que Dieu that fait. That is going forth at this time. Il va actuellement. He will cut that long distance short. Il va raccourcir cette longue distance. In righteousness. En justice. And you will come forth in his glory. Et il viendra dans sa gloire. You will come forth in his life. Il viendra dans sa vie. You will come forth in the fullness of himself. Il viendra dans sa plénitude lui-même. Are you ready for that? Est-ce que tu es prêt? Blessed be the name of the Lord. I think I am done. Je pense que je suis bien. The Lord himself is going to take over from here. Je pense que le Seigneur lui-même va prendre la suite. The first prayer we are going to pray tonight is this. La première prière que nous allons faire cette nuit, c'est ceci. Any banner you are carrying, quel que soit la bannière que tu that portes, is not of God, qui n'est pas de Dieu, you are going to drop it tonight. Tu vas le laisser tomber ce soir. There is only one banner to carry. Il y a une seule bannière que tu dois tenir. Jehovah, our banner. Jehovah, notre bannière. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. That is a legal banner to carry. C'est la bannière légale que tu you dois porter. You may rise to your feet because we are going to begin to pray. Tu vas te tenir debout. That's parce que the first prayer that I want us to take. C'est la première prière que je veux que nous fassions. If there is any banner, the banners of oppression you are carrying. S'il y a une autre bannière, la bannière d'oppression que tu es en train de porter. Any banners of wickedness the enemy has afflicted you is giving you a flag si, to be carrying si to advertise his evil works. Si il y a une bannière de méchanceté que tu es en train de porter. Today, I want you to get angry with him. Je veux que tu te fâches aujourd'hui. Drop that banner. Fais descendre cette bannière. Drop that banner. Fais tomber cette bannière. You carry the banner of divine health. Et donc porte la bannière de la the vie. The banner of the revelation of Jesus la Christ. La bannière de la révélation de Jésus-Christ. The banner of righteousness. La bannière de la justice. The banner of holiness. La bannière de la sainteté. The banner of perfection. La bannière de la perfection. That is the only banner you should carry. C'est la seule bannière que tu dois porter. You will declare openly and loudly. Tu vas déclarer ouvertement the et Lord is my banner. Que l'Éternel est ma bannière. In the name of Jesus au nom Christ. De Jésus. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. I want you to begin to pray. Je veux que tu commences à prier. All the banners you are carrying. Appelle la bannière que tu portes en main. Et fais tomber cette bannière. That God has not given me.
Je vais faire tomber cette bannière que Dieu a donnée. Everybody in a weight. Tout poids. That God has not given me. Tout poids que Dieu m'a pas donné. I am dropping that weight. Je le fais descendre. Dropping that weight. Je fais tomber cela. Oh Lord God Almighty. J'abandonne cela. I release in this congregation. Hallelujah. The power of the Almighty God. The glory of the Almighty God. I turn loose the anointing of the Holy Ghost over this congregation, over every man, over every woman. Let every evil banner begin to drop off as the people pray, as they pray in the vehemence of their spirit. All evil banners drop. All evil banners drop. Banners of sicknesses, satanic identity cards, satanic signboards, satanic and evil signboards over the lives of the people. I command them to come down. I command them to come down. I command them to come down. In the name of Jesus. I command them to come down. All evil banners go. Toute bannière va. Banners of sickness and disease go. Bannière de la maladie va. Banners of oppression go. Bannière de l'oppression banners va. Banners of failure go. Bannière de l'échec va. Banners of demonic oppression go. Bannière de l'oppression go in the name va. Of Jesus. Va au nom de Jésus. Go in the name of Jesus. Va au nom de Jésus. Go in the name of Jesus. Va au nom de Jésus. Go in the name of Jesus. Va au nom de Jésus. Go in the name of Jesus. Va au nom de Jésus. Go in the name of Jesus. Va au nom de Jésus. Go in the name of Jesus. Va au nom de Jésus. Go in the name of Jesus. Va au nom de Jésus. Go in the name of Jesus. Leave the inheritance of God. Leave the God, the inheritance of God alone. Get out from God's inheritance. Get out of God's inheritance. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Moshe Pratiliva Baramasha ta 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 Eblita Doja Dreve Debide Barolo Abidikatasha Paramalanda Baba Bodeja Drividon Norig de Berilanda Ramda Baba Sari Lalabahai Andre Vede Pribo Bokotasha Ramda Loko Staralada Bahai Mengre de Vede Badijon Mendre Gede Babadion Mendre Gede Badijon Mendre Gajaja Masature Lebadoyon La Baro de Vajadra Octaba Baba Mobodiji Lenda Bribaba Mobodiji. Hallelujah. Hallelujah. Begin to carry the only banner you are legally allowed to carry. The banner of divine help. I take the banner of divine help. I take the banner of success. I take the banner of the Most High God. I take the banner of victory. Victory over sin. Victory over sickness and disease. Victory over demonic powers. Victory over natural and satanic circumstances. Victory over death itself. I uphold this banner. I hoist the banner. The banner of the Lord of hosts. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Le grand didalamanda yaba. Embre bididididadada. Le te feshem durevo da bashanta. Hallelujah. 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 Hallelujah.